Votre ennui? Vous ne vous y ennuyez pas, vous, dans cette éternité? Mais que pourrions-nous avoir échangé, vous et moi, alors qu'il y a des siècles que nous sommes des ombres? Allons, Montesquieu, qui parle là? Le philosophe ou le politique? Le machiavélisme est bien antérieur à Machiavel. À l'origine des sociétés, il y a la force, après quoi vient la loi, qui n'est qu'un avatar de la force. Le despotisme est devenu impossible. Impossible. Oui. De nos jours, ce sont les institutions, pas les hommes, qui assurent le règne de la liberté et des bonnes mœurs. La souveraineté populaire engendre la démagogie. La démagogie accouche de l'anarchie. Et tout cela nous ramène à quoi? Mais au despotisme, bien sûr. Que vient faire Dieu dans nos affaires? Donc vous avez l'intention que nous ayons tous les deux une conversation sérieuse? Oui. Bien. Alors commençons. Nous sommes au théâtre de Poche Montparnasse avec Pierre Santini qui est sur scène tous les soirs dans une pièce qui a un titre très intéressant, c'est « Dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu ». Alors, il s'agit bien entendu d'un dialogue imaginaire. Par parenthèse, Pierre Santini, vous incarnez Montesquieu. J'essaye. Machiavel. J'essaye. Malgré vos origines italiennes, vous auriez pu choisir Machiavel. Mais enfin, non, je n'ai pas choisi Machiavel. On me l'a proposé. Hein. Oui. On m'a dit, tu joues celui que tu veux, j'ai préféré Montesquieu, parce que je me sentais plus proche de lui. Mm-hmm. Et puis, pour d'autres raisons qui sont purement professionnelles, il y avait des tirades très longues chez Machiavel, mm-hmm. et j'ai moins envie d'apprendre des longs textes qu'avant. Donc, vous incarnez Montesquieu, et cette pièce qui est tirée d'un texte écrit en 1860 par un auteur un peu oublié aujourd'hui, Maurice Joly. Ce texte, en fait, est une sorte de confrontation entre les idéaux de la démocratie libérale et la pratique d'une démocratie plus autoritaire, et presque du despotisme. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce texte avait été écrit par Maurice Joly, dans l'idée de critiquer fortement le régime de Napoléon III. Exact, hein. Ouais. Et donc, ces personnages, bien qu'étant des personnages historiques, dans son texte, sont imaginaires, leur dialogue est imaginaire, c'est un prétexte, en fait. Et alors, comment est-ce que vous, Pierre Santini, en interprétant le personnage de Montesquieu, est-ce que vous vous sentez impliqué dans cette controverse entre démocratie libérale et despotisme? Ah ben, je me sens très impliqué parce que d'abord j'aime la politique, j'aime les idées politiques, l'idéologie, et donc je me suis trouvé confronté à deux personnages. C'est pas qu'il y en ait un qui soit un démocrate et l'autre un despote ou en puissance. Non, ce sont deux hommes intelligents, très cultivés, très fins, etc., qui confrontent deux points de vue. Alors Montesquieu défend quoi? Le point de vue d'une démocratie telle qu'on pouvait l'imaginer au siècle des Lumières, mais la Révolution française n'a pas encore eu lieu. Et Machiavel, qui a vécu deux siècles avant, deux siècles et demi avant, avait, peut-être à la demande des Médicis, je crois, enfin de son patron, entre guillemets, établi dans l'esprit des lois, c'est Montesquieu, oui, dans le traité du prince, avait établi un certain nombre de règles qui permettaient à l'apprenti despote ou tyran de savoir comment on arrivait au pouvoir et comment, surtout, on pouvait s'y maintenir. Bon. Et donc, mais les deux époques sont tellement différentes qu'il est difficile de les comparer. Ce qui est intéressant, c'est que Maurice Joly fait un pari de faire se rencontrer ces deux personnages aux enfers, entre guillemets, c'est-à-dire dans l'éternité, dans l'au-delà, et de discuter ensemble de deux points de vue qui sont très différents, même si Machiavel n'est pas un despotique,
Machiavel est quelqu'un qui a compris les mécanismes du despotisme et qui les expose. Et Montesquieu est un aristocrate qui a compris les mérites de la démocratie et plus tard de la République. Ces deux points de vue sont très passionnants parce qu'ils nous ramènent à beaucoup de choses qui aujourd'hui sont en filigrane dans la vie de chacun de nous, dans la vie française, dans la vie italienne, dans la vie européenne. Justement. Il y a beaucoup de pays de l'Europe qui ont des tyrans potentiels à la tête de leur pouvoir, de leur pays. Je ne vais pas citer des noms, mais enfin, oui. Tout le monde les connaît. Bon. France, on a une démocratie, mais une démocratie avec une constitution présidentielle qui donne un pouvoir énorme à un seul homme face aux autres. Donc tout ça mérite des vraies discussions. Oui. Si la démocratie, c'est le gouvernement du peuple par le peuple, à ce moment-là, il faut que les institutions permettent au peuple de s'exprimer, non seulement par voie référendaire une fois tous les 5 ans, mais d'exprimer ce qu'il ressent en profondeur. Bien sûr. Oui, d'ailleurs, la France, comme vous dites, est une démocratie, mais même dans la démocratie française, telle qu'on la pratique en France, les principes de Montesquieu ne sont pas complètement respecté, parce que la division des pouvoirs en France, nous savons bien que le pouvoir judiciaire en France n'est pas vraiment indépendant. Officiellement, il est indépendant, après... Voilà. Enfin, bon, c'est compliqué. C'est-à-dire que... Non, mais ce qui est très intéressant, c'est que, bon, à l'époque de Maurice Joly, évidemment, c'était plutôt les régimes autoritaires, sinon despotiques, qui étaient... en majorité, en Europe en tout cas, mais même dans le monde. Après, la démocratie libérale a pris le dessus un peu partout, n'est-ce pas ? Bon, au XXe siècle, il y a eu évidemment les régimes totalitaires, mais après la Deuxième Guerre mondiale, on a pu croire que finalement, c'en était fini du despotisme. Oui, mais je pense d'ailleurs que l'Europe, au départ, quand l'Europe a été créée après la libération, il y avait réellement un idéal de démocratie. Et je pense que toutes les règles de fonctionnement de l'Europe de l'époque et des pays européens, on m'a dit souvent, par exemple, que la constitution italienne de l'après-guerre était une des plus libérales et démocratiques du monde. Bon, la France avait une vraie démocratie, un héritage républicain, une tradition républicaine très forte, etc. Il n'y avait pas l'Espagne, par exemple. Il y avait le franquisme en Espagne. Il y avait des pays qui étaient plus ou moins démocrates, mais disons que l'idéal européen était là. Et puis on voit qu'au fil des années, aujourd'hui, il y a des risques que la démocratie soit en danger. Elle est menacée, oui. Elle est menacée. Partout. Depuis qu'on a élargi l'Europe à 20 et quelques pays, il y a des pays qui se sont ralliés à l'Europe, mais qui, dans leur fonctionnement national, ont porté atteinte à des libertés fondamentales. Voilà. Mais alors, ce n'est pas pour autant que ces régimes qu'on pourrait définir démocratiques autoritaires, n'est-ce pas, pas vraiment despotiques encore, mais enfin, en tout cas... Est-ce que c'est vraiment ce que Machiavel avait en tête ? Alors moi, la première chose que je dis à Machiavel quand il arrive dans mon bureau, entre guillemets, aux enfers, il me dit « je voulais vous voir, il faut absolument que je vous voie ». Alors je lui dis, là, il y a une chose que j'ai cru comprendre, parce que je vous ai beaucoup lu Machiavel, il y a une chose que j'ai cru comprendre, c'est que vous n'érigiez pas le despotisme en principe général et que vous le considérez comme un mal. C'est très important. Et il me répond, oui, c'est vrai, mais... Donc en réalité, je crois qu'au fond de lui-même, c'est pas un despote en puissance, c'est pas un tyran qui veut supprimer la parole au peuple. Non, c'est un homme qui est un aristocrate de la Renaissance, qui travaille pour les Médicis, dans un pays qui n'a pas son unité républicaine. L'Italie est encore composée de duchés, de baronnies, de choses comme ça. Et donc, c'est vrai que ces aristocrates qui ont le pouvoir et qui possèdent aussi la terre et les moyens de production, ben, ont tendance à se considérer, parce que le système les y autorise,
comme le dessus du panier, dans une espèce de hiérarchie où le peuple n'a pas son mot à dire. Monsieur, mais alors, donc, Machiavel, au fil des siècles, a acquis une réputation, en tout cas en France, un peu sulfureuse, si on peut dire. Il est considéré mais comme... Mais sulfureuse, en même temps, moi je vois, quand on a commencé à répéter la pièce, je veux dire, j'avais l'impression que c'était Machiavel le héros. Oui, parce que, vous savez, c'est le méchant, ou le pervers, ou celui qui tient, qui se fait l'avocat du diable. Mais ce n'est pas seulement une impression, on le sent quand on voit la pièce. C'est lui qui séduit le plus, il est fascinant. Voilà, Montesquieu, il défend les idées du 18e, le siècle des Lumières, il va être entouré d'un certain nombre d'intellectuels, de philosophes et d'écrivains qui vont défendre des idées qui vont nous amener à quoi? À 89, à la Révolution française. L'histoire de l'Italie est complètement différente. Et surtout, il y a dans la nation française, mais encore aujourd'hui, une partie de la population qui a envie que les thèses du machiavélisme l'emportent. Oui. Parce que il y a une tendance aujourd'hui populiste de l'extrême droite, il y a une droite autoritaire, il y a une discrimination envers les migrants. Il y a eu, moi je voyais avant-hier sur France 2, il y avait une soirée qui s'appelait les histoires, histoire nationale ou histoire de la nation. Il y avait une soirée entière sur l'émigration au XXe siècle en France, l'immigration. Il y avait les Italiens, les Polonais, les Russes, enfin toute une série les de peuples. Les Portugais, les Espagnols. Et puis les Afriques du Nord. Et plus tard l'Afrique plus au sud. L'Afrique noire, comme on dit. Et donc, il faut voir comment ces gens ont été accueillis et quelles réactions violentes il y a eu parfois, qui ont failli faire basculer la République et la démocratie. Hein. Et puis, à chaque fois quand même, il y a dans cette tradition républicaine française des points tellement forts qu'ils l'emportent sur la tyrannie, qu'ils l'emportent sur le despotisme, sur le racisme, sur la xénophobie, tout ça. Mais il y a toujours le péril, il est toujours là. Hein. Oui, bien sûr. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que finalement, en France, quand on pense à Machiavel, sauf naturellement ce philosophe, ceux qui étudient les gens, disons, érudits, etc. Mais l'impression qu'on a quand on parle de Machiavel, c'est que c'est quelqu'un, finalement, ça se résume un peu celui qui a dit « la fin justifie les moyens ». Bon. Et donc, c'est pour ça que je parlais de... Oui, je comprends. Mais je ne suis pas assez féru de Machiavel et de sa philosophie pour savoir quelle était la part de jeu, quelle est la part de choses qui venaient de lui et d'autres choses qu'il exprimait par rapport au pouvoir qu'il était en train de servir, car c'était un petit aristocrate qui servait la cause des Médicis. Hein. Bon, il faut savoir ce que les Médicis attendaient du valet, entre guillemets, qui lui écrivait ses textes. Donc, je ne suis pas assez féru pour en parler. Moi, je n'ai pas envie ni de condamner Machiavel, ni d'encenser Montesquieu. Il y a deux intelligences très puissantes, car je crois que ce qui caractérise ces deux hommes, c'est une profonde intelligence, une connaissance du droit, et du droit politique en particulier, qui font que leur confrontation est passionnante, parce que, justement, il n'y a pas de solution immédiate à tout cela. Ce n'est pas l'un qui va l'emporter sur l'autre. Mais il y a un débat assez intéressant, pour nous ramener à aujourd'hui, à des interrogations que nous avons. C'est très actuel. Mais bien sûr, dans le monde de la France d'aujourd'hui, enfin dans l'ambiance de la France d'aujourd'hui, avec ce jeune président volontariste et tout ça, avec la constitution de la Ve République, avec la différence de majorité qu'il y a entre l'Assemblée nationale et le Sénat, etc. Toute une série de mécanismes qui sont fous, hein, et qui sont terribles. Il y a un débat intérieur de chacun, les gens ne savent plus où se situer. Il y a eu l'échec de la gauche et de la droite, il y a eu la montée des extrémismes, mais qui en même temps n'arrivent pas à dépasser une certaine chose, heureusement. Il y a le silence du Parti communiste, il y a une droite qui n'est plus vraiment une droite qui arrive à trouver son identité, qui est toujours au bord de la division, la gauche encore pire. Donc il y a un débat entre chacun de nous,
qui est très intense. Oui. Et je pense qu'une pièce comme ça permet, non pas de clarifier les choses, mais de s'interroger mieux sur soi-même, sur ce qu'on vit actuellement. Alors, il y a quelque chose de très intéressant. Il y a une phrase qui m'a particulièrement frappé. Oui. C'est une phrase qui est prononcée, je crois, par Machiavel, qui dit « Le machiavélisme existait bien avant moi. » Voilà. Et on pourrait ajouter qu'il existait bien après. C'est pour ça que l'idée de réduire Machiavel au machiavélisme, comme souvent on fait, non seulement en France, mais dans le monde, enfin, c'est une idée absurde, parce que finalement, Machiavel était un penseur politique, ce n'était pas... Oui, absolument. Voilà. Ce sont deux grands penseurs. Montesquieu aussi. Moi, j'ai fait des lettres quand j'étais au lycée. Au Montesquieu, on a gentiment passé dessus. Moi, je ne me rappelle pas qu'un prof de français m'ait fait lire des articles de l'Esprit des Lois. Et on m'a dit, oui, il a écrit l'Esprit des Lois, les lettres persanes, etc. Mais je ne me rappelle pas qu'on m'ait poussé à le lire comme on m'a poussé à lire Balzac ou Victor Hugo, ou, je ne sais pas, ou Marivaux. Bon, non, oui, Montesquieu. Et alors, quand je regarde, moi je viens de lire les lettres persanes que j'avais jamais lues. J'avoue mon ignorance. C'était d'ailleurs ce qu'on lisait le plus souvent de Montesquieu. C'est passionnant. Ah oui. Et c'est très facile et c'est très drôle. Puis j'ai essayé de me frotter à l'Esprit des Lois. Et là, j'ai vraiment du mal. Hein, parce que les idées et l'expression de ces idées est très compliquée, très complexe. Mais il faudrait pouvoir essayer de dépasser ça. Parce que je suis sûr que c'est passionnant. Alors, quand on entend attribuer à Machiavel cette idée que la fin justifie les moyens, est-ce que vous ne pensez pas, Pierre Santini, qu'on pourrait se demander quelquefois qui est-ce qui justifie la fin? Ah, mais il y a beaucoup de choses. Il y a l'économie, mm-hmm. la soif de puissance de chacun, l'histoire. Il y a tellement de facteurs qui peuvent justifier une fin qui n'est pas... Moi, je vais vous dire, on a écrit, deux journalistes m'ont aidé à écrire des souvenirs personnels. Et le titre de mon livre, c'est « Le but, c'est le chemin ». Bon, c'était un peu orientaliste comme philosophie, mais c'est Sylvia Montfort qui m'avait donné cette phrase que je trouve très belle. Le but, c'est le chemin. Ce qui est intéressant, c'est les instants du chemin. Il n'y a pas un but final. Le but final, on le connaît tous, c'est la même chose pour tout le monde. Mais il y a un chemin qu'on trace, qu'on essaye de suivre, que nos pulsions intérieures, notre culture, notre héritage, etc., nous poussent à suivre. Il y a d'autres chemins qu'on a envie de découvrir, etc. Mais le but, c'est que chaque instant de ce chemin soit passionnant. Or, ceux qui ont la soif du pouvoir, ceux qui ont la soif de posséder, et de posséder milliards de fois plus que ce dont ils ont besoin, se fixent des buts qui sont quelque part inhumains, quoi, n'ont pas d'intérêt. Et c'est pour ça que les tyrans, les despotes, les autocrates, et tout ça, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai envie qu'il y ait un groupe social qui soit celui d'une nation, d'une ville, d'une famille, etc., s'exprime et en écoutant tout le monde et en étant l'expression de ce groupe. Voilà. Voilà. En tout cas, ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'on puisse continuer longtemps à écouter aussi bien Montesquieu que Machiavel. Venez au théâtre. Voilà. Non, mais parce que c'est intéressant. Moi, je vois tous les soirs. Extraordinaire. Je ne sais pas si c'est parce que c'est Marcel Bluval qui a fait l'adaptation et la mise en scène. Je ne sais pas si c'est parce que Maurice Joly est plus connu qu'on ne croyait. Je ne sais pas si c'est parce que Machiavel et Montesquieu, leur réunion suscite une curiosité. Je ne sais pas si c'est parce que c'est Hervé Briot et moi qui jouons les deux personnages. Mais le théâtre est plein depuis le premier jour. C'est intéressant, oui, ça. Bien sûr, bien donc, sûr. Ça veut dire qu'il y a quelque chose là-dedans qui motive le public. Moi, je crois que la motivation du public... Bien sûr, il y a Bluval, il y a Le Poche qui a sa clientèle, il y a les deux acteurs qui jouent, etc. Je crois que c'est un débat entre deux personnages dont il est absolument improbable qu'ils se rencontrent, et puis que cet auteur fait se rencontrer, et qui, justement, éveille chez chacun une curiosité parce que
ça répond aux questions qu'il se pose et auxquelles il n'arrive pas à répondre. Et puis probablement aussi, Machiavel est quelqu'un qui attire plus que Montesquieu, peut-être, parce que... Mais il est plus populaire, entre guillemets, oui, c'est vrai. Ouais, ouais, ouais. Bien, alors merci Pierre Santini, et longue vie à Machiavel et à Montesquieu. Au spectacle. Et au spectacle, bien sûr. Merci. Merci.